toutes et à tous, c'est Pyrux, c'est Gallius. Et aujourd'hui, on se retrouve. Non, c'est moi qui parle. D'accord. Sur le soir, on est chaud, on enchaîne. Alors, c'est pour ça qu'on est chaud, chaud bouillon. Et on va carrément. On se retrouve directement à Belzmar. Enfin, on n'est pas tout à fait, mais c'est notre but. Et donc voilà. Entre deux, forcément, on fait des petits trucs qu'on offre. C'est-à-dire que des fois, ils nous demandent de faire 2-3 donjons. Ouais. Pas les mêmes. Du coup, nous, on va pas les faire en face de vous. Parce que. En fait, on les refait en off avec les gens qui sont plus haut niveau. Voilà. D'ailleurs, ils sont restés avec nous. Oui, ils sont restés avec nous, vous voyez. Mais on va changer, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et voilà, tout simplement. Donc là, on va arriver à Belzmar. Eh ben, tu y es là? T'es parti déjà? Là, j'y suis. Ah, ok, putain. Ouais, je parle en même temps, tu vois. Ah, bah, bon, bonjour Solène, bonjour. Bonjour à toi. Qui, quoi, qui? Lord Robot, tu parles du Seigneur Elder, donc je vais pas lire parce que je lis jamais. Mais vous allez me dire. Alors, un petit message de quelqu'un, donc il veut dire mon ami, y a pas de soucis, moi je suis ami avec tout le monde. Voilà. Jusqu'à que la boîte me dise limite atteinte. Alors maintenant, ouais. c'est sympa hein, comme village, ça fait un petit peu village dans le désert paumé. Ah ouais? Là on a un chaman un peu, un espèce de chaman chelou crapaud, sympa. Donc là on peut faire de l'alchimie, ici. Très bien. On visite un petit peu parce que bon, histoire, y a pas que des combats hein, dans la vie, heureusement dans les mêmes RPG. Y a la phase aussi un petit peu. Build de potions, de trucs comme ça, d'équipements, de boost, tout ce que vous voulez. Il y a la banque, la fameuse banque suisse, donc ça change pas. Et il y a les équipements, là on peut acheter des équipements, visiblement. En même temps, il y a plein de persos, hein, stylés ils sont. Hein, c'est un stylé un peu ouais. Alchimiste. Là, donc voilà, grosso modo, on n'est pas là pour faire les emplettes, mais si on part par exemple à elle, si j'arrive. Le peuple. Le W, c'est quoi? C'est Thomas, donc là c'est l'armurerie, donc si on veut acheter quelque chose, on peut acheter du haut, du bas, des gants, par contre c'est tout du haut niveau je pense, et je peux pas me les... Ouais, niveau requis 24, donc je suis pas encore, donc c'est pour ça qu'on peut pas acheter la prochaine fois, des équipements, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi le niveau. Ouais. C'est pour ça qu'ils font ça exprès pour vous faire, on va dire, spammer le jeu, enfin rester longtemps sur le jeu en tuant des petits mobs. Alors lui, les stylés par exemple, oh, il est trop stylé celui-là, punaise. Ah, il alors du coup maintenant qu'on a pénétré, comme ils disent, le village, tu peux choisir, t'es où en fait, parce que je t'ai perdu du coup. Moi je suis à l'armurerie. Ah bah moi aussi. Mais attends, alors là, je suis en bordel. Vas-y, saute. Ah oui t'es là, ok, moi aussi je suis là. Bah du coup vu qu'eux ils nous ont suivis, donc hein, ils sont avec nous. Bien. Bah je sais pas. Okay. Aucune idée. Ah, y'a un qui veut faire du commerce. Bah, je vais vous montrer ce que c'est le commerce. Ça intéresse. Alors voilà, ils vont de privé, ils me donnent quelque chose. Donc moi je lui donne la merde, hein, je lui donne ça. On va voir ce qu'il me dit. T'es où là? Ah non, ils acceptent pas les trucs endommagés. Demande de commerce, Onilink. Vas-y, accepte s'il te plaît. Onilink, ouais, il a accepté. Alors moi je te passe. Est-ce que tu veux. Enregistré. Tu veux ça? Moi je veux ça, moi c'est bon. Hop! Il faut faire. Allez, comment pour continuer? Comment on fait pour rajouter? J'arrive. Vente privée. Ah non, c'est à lui ça, ok. Mec, je t'envoie des trucs de ouf! Zéro. Ah bah non, ça n'a pas marché. Mais bon, vous voyez le délire en gros. On peut s'échanger des objets, c'est cool. Ouais. Maintenant, vous avez vu, les objets endommagés ne peuvent pas être échangés, donc c'est que des objets, on va dire, neufs. Hein, imaginez, vous avez des boosters de cartes, bah c'est que les boosters de cartes. Hein. Pas de l'occasion. Pas d'occasion, c'est ça. Bon, bah moi il veut pas. J'ai plus de place, laisse tomber. Ah, ok, bon bah alors. Pas de soucis. Okay, écoute, hein. Il va absolument me donner quelque chose. Okay, moi j'aimerais bien lui donner quelque chose aussi, mais. Alors attends, je vais débloquer quelque chose. Ah bah. J'ai été vaincu par moi. Ça, je veux. Il veut me donner deux trucs. Mais je crois que j'ai pas le droit de lui donner ça, mais bon. J'ai pas le droit. Je crois que j'ai pas le droit. C'est pas grave. Bon, où est le délire? Bon, on va annuler parce que on va pas faire que ça toute la journée. On va donc démarrer le donjon dans Bezma, qui serait donc. Enfin, je sais pas si c'est la quête. Faut faire gaffe, faudrait virer Master Spammer ou. Non, continue, c'est pas grave. Reste là. Ah, il veut faire du commerce avec moi, Master Spammer. Pas de soucis, okay. Master Spammer. Moi, je vais juste pénétrer les chutes de Bezegara. Oh, il m'a cherché des choses là. Il faut. Solène refuse d'agir avant d'avoir des preuves irréfutables. Rends-toi aux chutes de Bezegara pour chercher des traces de Lord Rob et en tant que tu es, élimine les Commodos. Donc, oh, il y a des scorpions. Il faut éliminer des Commodos, je pense c'est les scorpions peut-être. Oui. Attends, je vais voir, j'essaie d'en battre. Alors lui, c'est pas un Commodos. Ah, il est où, toi? T'es déjà parti en mode. Ouais, je suis allé moi. Scorpion rouge 5. Non, c'est du scorpion. Non, c'est pas ça. Donc on cherche les Commodos. Ça doit être. Ah, mais Commodos, c'est dragon de Commodo. C'est genre de gros lézard là, tu sais.
Ah ouais. Ah mais c'est eux. Bah je sais pas, moi je me dis jeune que... Komodo. Tu les as trouvés? Ah ils sont ouais, rouges. Ils sont jeunes donc. Ah moi ils sont un peu orangés. Ouais ils sont plutôt un peu. Attends, oui c'est un jeune Komodo, ouais, exact. Ah tu dis ah, jeune, je croyais jaune. Ouais non je. Ouais pardon. Ah c'est bon, un sur un. Ouais, il y en a en bleu. Ah énorme. Il s'appelle comment en bleu? Il s'appelle éclaireur saurien. Ok. Tu verras, c'est marrant, genre on tirait un serpent debout. Très bien, on a débloqué donc le prochain. On a débloqué le prochain donjon, très bien. Du coup, maintenant le problème c'est qu'on a perdu tout le monde. Bah écoute, alors, c'est pas très grave. Ouais, mais faire. On fait. Aïe. Bon, ce qui est bien c'est que le level 76, vous verrez. Enfin, si on va le faire maintenant, tiens. Il est intelligent dans le sens où il laisse combattre en fait. Il a garde que. Qu'on combat un petit peu, puis qu'on voit qu'on galère un peu, hop. Il clique sur son bouton. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bref, allez, on lance le truc, on va voir les chemin du dragon, hein. J'aime bien le délire. Allez, c'est parti, en mode normal. Hein. Ouais, c'est okay. En mode normal, effectivement. Après, j'imagine qu'ils vont nous le refaire trois fois. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Oh. Ah. Genre, ah. Non, mais j'aime bien, moi, les dragons et tout ça, moi, ça me plaît. Mais ça vous sauvera pas. Allez, musique, ah, c'est parti. Fight-o. Oh. Bleu, vert et tout. Oh, stylé. On voit pas trop. Ah, si, à droite, on voit un genre de dragon. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment sympa, hein. C'est génial. Ah, c'est Komodo, c'est un peu orange comme ça. Il faut d'ailleurs battre 4 sauriens. Ah, bah voilà, bah, on a battu. On a battu déjà 2. Bon, du coup, les donjons, ce qui est cool pour vous, c'est qu'il va plus vite. Hein. Ça va vraiment plus vite. Oui, voilà. C'est plus dynamique et puis. On galère moins. Oh, un cactus, référence à FF. Comme il s'appelle d'ailleurs dans FF. Bon, oh putain, c'est un blanc. Ça. Final Fantasy, pour ceux qui connaissent, le Pampa, je crois. Pampa, oui, c'est ça. C'est genre un cactus tellement fort dans les FF, c'est genre. Tu le vois, il fait peur, alors que tu vois le truc, il se balade un petit peu, genre. Genre, il fait pas peur le monstre, mais. Tu sais que c'est un truc de ouf, genre, c'est un gros monstre. Ouais. Là, je pense que c'est une référence sur le Pampa, c'est un d'œil. Ils sont pas très forts, là. Ah, mais ça fait aussi penser. Ça fait comment d'ailleurs? J'ai pas eu le temps de voir. Je sais plus, ils sont morts. C'est déjà morts. Ils sont déjà. Parti. Oh là là. Ah, il y a un Komodo là. Ah, c'est un Komodo tout court. Ah, un jeune. Ok. Très bien, c'est clear. Hop. Vous voyez, il est là. D'ailleurs, les styles sont dans son perso. Oh. Il est quoi? Utiliser. De 20. Appelez le 0. Le 3. Appelez le 243, c'est mon numéro. Je suis célibataire, le mec. C'est ça. Je suis célibataire, n'hésitez pas. J'ai 17 ans. J'ai un personnage niveau 76. Christophe Spammer, arrête de nous spammer ton numéro. Oh, allez, combo là, oh. Boum. Regarde ce combo là, non, que je te fais là. Je te fais comprendre, mon gars. Regarde ça, voilà. On est là. Suffit, non, de rigoler. Allez. Voilà. Oula. Ah, guerriers. Les guerriers sans rien. Est-ce que c'est quelque chose? Non, ils sont rien. Ils sont rien. Allez, go. Hop, on va faire le booster. C'est suspect. C'est le volet. Non, c'est l'ancien. Le rayon à droite. Alors ah, perso, moi, sur les deux persos, je préfère utiliser la fille. C'est sympa. Ah, mais ils sont deux, en fait. D'accord. Allez, mais cool, mon gars. Oh là là, relou. Ah oui, il y en avait deux, ok, j'avais donc. Ouais. Mais ils avaient deux avec deux barres de vie, donc tu vois, ça devient de plus en plus compliqué, c'est cool. C'est bien. Ouais, et encore, on est plus en mode normal. Parce que nous, bon, quand faut se dire qu'on est. On est avec quelqu'un qui a un haut niveau quand même. Ouais, mais bon, il est pas trop non plus. Okay, là, il a attaqué, cool. Pardon, tu vois. Il a attaqué. Là, il a vous voyez que la barre elle part très très vite. Et d'ailleurs, t'as vu en haut à droite, on a la fièvre, casson. Ouais. Waouh, c'est quoi ce truc? Oh, on se calme, les gens, on se calme, on se détend. Oula, il a un dinosaure, c'est. Oh, il monte un dragon! Tu t'es bien battu. La musique elle est cool comme d'hab. Ouais. Ok. Allez, on est presque au niveau 20. Voilà, si vous regardez un peu les dégâts infligés de Master Spammer. hein à côté nous c'est du pipi de chat. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Par contre, Kuro Butler, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as pris plein de dégâts. Ouais, je fais n'importe quoi. Bon, allez. N'importe quoi, je coupe. J'ai confondu les touches. J'ai confondu les touches. J'ai joué avec la manette pas connectée. Je peux manette. Ouais. Donc. Alors, pénétrer le chemin du dragon en difficile, ouais. Mais on doit être niveau 20.
Ah, bah. Niveau 19. Ouais, bientôt bon, niveau 20, il faut juste frapper quelques petits monstres. Ouais, enfin, moi, quelques petits, il faut en faire pas mal. Bah, moi, c'est toi, je sais pas, mais. Je suis à peut-être 82%, tu vois. Ouais, bah, ah, bah, c'est écrit, de toute façon. À 76,7. Hop. Moi, je suis bientôt. Allez. Ah, mais si toi, tu peux, moi, je peux. Il faut que je sois au niveau. Ouais, je suis pas là, au niveau. Le niveau suivant. Attends, je vais juste voir si t'es derrière mon niveau 20. Non, moi je pourrais pas, c'est trop long. Mais essaye de m'inviter quand même, on se jamais. Voilà. Donc on a refaire ici le même donjon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va. Attends, ce qu'on peut faire, c'est que. Est-ce qu'on peut faire celui-là ou pas? Est-ce qu'il va me dire que j'ai pas le niveau? Ah non, c'est bon. Ah, mode normal. Mais c'est le lac, c'est un autre truc. En gros, je fais pas une quête là. Comme ça. Je suis le dieu de la mort. Tiens. En gros, je fais un autre donjon qui n'est pas encore disponible. Ah, il y en a un qui est parti. Ah, ok. C'est qui est parti? Bah, je sais pas. Ah non, il a pas parti, il a juste pas voulu. Ah, ok. Alors, attends, on refait, peut-être qu'il a mal fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas dans la. On fait pas le donjon qui veut le. De nouveau. Mince. Du coup, on fait à 3 le donjon. C'est pas grave. Oh. Ah, du coup, on va voir si on arrive à le faire à 3. Ah, y a sans plus le niveau 76. Ouais. Ouais. Donc là c'est un autre endroit. Ça change, ouais, ah c'est sympa. C'est pas la quête, mais c'est pas grave. On revient après pour la quête, comme ça change au moins un petit peu. Durant l'épisode. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Hein. Putain, mais il se défend le vert bleu là. Ouais. Là, tu vois, avec l'épée, il peut se protéger. Hop, il dégage. Tac. Ah. Hop. Oula, il se passe quoi les gars, Oh, j'ai une tête de chibi. Une tête de. Attends, tu me vois? Oh oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là! T'es allergique, je crois, aux piqûres là, ça. T'es allergique à quelque chose, là, le scorpion est en piqué. Ouais, je crois, ouais. Tu la fière, hein? Enfin, franchement, j'adore l'ambiance du désert. Ah, c'est trop. Ah, ouais, c'est énorme. Il y a un vieux chaman, là. Hop. Les gars, voilà. Ouais! J'adore quand il y a beaucoup de monstres et que tu tapes dedans, qu'il y a tout qui gicle, c'est tellement cool. La jouissance, tu sais, la jouissance absolue. C'est comme quand tu fais surf dans une horde de Pokémon Feu. C'est l'orgie. Pour ceux qui comprennent. Préférence à Pokémon pour ceux qui avaient rien compris. Bah, c'est vrai que bon, ça se trouve, il y a des gens qui aiment que le manga et regardent ses vidéos, hein. Y'a pas de soucis. Hein. Ouais, d'ailleurs, ce serait marrant. Je comprends tout à fait, parce que c'est plus typé manga qu'autre chose. Ouais, juste pour savoir, c'est vrai qu'ils nous ont découvert grâce à cette série. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant. Ça nous ferait plaisir en tout cas. C'est très marrant d'ailleurs. Ouais. De dire que voilà, sur une série comme ça nouvelle. En tout cas, on sait que beaucoup d'entre vous jouent à ce jeu et que vous êtes plutôt content qu'on le fasse aussi. Voilà. Étonné. Et nous, on est débutants. Hein. Ouais, on est pas passé. On est des débutants. Hein. Ah oui, ok, parce qu'il y a des méchants. On est des vrais débutants, bon après on a quand même un petit peu dans l'âme, quelques petites. oui. On va dire. C'est appuyé sur les boutons. Appuyé sur plein de boutons. Non mais le côté un petit peu équipement et tout ça, on n'a pas trop fait gaffe parce que bon là on fait des vidéos dynamiques et tout, mais si moi je jouais de mon côté tout seul tranquille. Ah oui, non mais moi je vous ferai un let's play de débutante, mais tranquille, hein, c'est sûr, mais genre, tout bien, tout EP, tu sais, comme tu veux. Ouais. Avec les armes au maximum, des trucs trop cheatés. Enfin, moi j'adore toi, au maximum des jeux comme ça. Moi j'avais joué à Fly, j'en reparle, hein, je sais que j'en avais parlé chez Kevin, mais pour ceux qui connaissent ce jeu, j'avais joué à celui-là beaucoup. J'avais un perso au niveau assez élevé, je m'en rappelais plus des classes qu'il y avait, mais. Oh punaise, le Komodo là. Ok. Mais je me rappelle avoir kiffé en tout cas, et puis ça ressemblait un peu à ça, c'était un peu de l'action. Ouais. Mais c'était pas en 2D par contre, c'était plus genre. Oui, c'est vrai, mais là en fait, si c'est pas 2D, c'est quoi? C'est le fait qu'on soit en profil comme ça. Bah voilà, on est en profil, tu vois, on est en 2D. Ah oui, c'est ça, on va pas en devant en fait. Ouais. On va pas. En gros, on peut pas se tourner. Hein, genre... Oh, il m'a défoncé le serpent à la noix. Ah oh, bah t'es en plein niveau, non? Non, c'est pas toi. Si, c'est moi, oui. Niveau 20. Mais ça va, les niveaux, ça va. Pour l'instant, assez rapidement. Ouais. Je sais que dans ce genre de jeu, au bout d'un moment, tu montes des niveaux tellement lentement, tu sais. Oui, bah oui. Genre, tu prends une journée pour faire deux niveaux, t'es là, oh non, oh non. Tu galères à battre les monstres et tout. Et là, c'est cool parce que c'est un système de donjon, c'est pas trop un système de. Si je reprends l'exemple de Fly, c'était vraiment un système de zone. Il y avait quelques donjons aussi, mais c'était pas la principale, tu vois.
Ici, il y a les zones qui sont... Il y en a, tu vois, genre... Ouais. Entre deux, là, les petites zones. Mais les trucs principaux, c'est... C'est les donjons, tu vois, dans le jeu, qui sont intéressants. C'est le fait d'avoir, t'as vu, la mini-map. Ouais, map, qu'on peut choisir nos donjons et tout ça. Ça, c'est le principal, on va dire... truc du jeu. Burk, le doyen. Le doyen. Ouais, je lisais pour être sûr, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, on passe en mode booster. Et puis, on va... Ah ouais, déjà. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Allez, hop. Qu'est-ce que je fais, là? Je tape dans le vent. Bon, je vous avoue, les gens, ce jeu n'est pas forcément... très très compliqué parce que comme c'est en 2D bah on peut pas louper son... Oula. C'est vrai. Ouh, je suis tout violé. J'ai activé un truc pour être plus fort. Je tapais plus fort. Oula, je crois qu'il va me faire un truc. Ouh, ça fait mal. Il va faire un truc là, il va invoquer les associations célestes. Ah, il y a pas eu le temps. Il va invoquer qui que ce soit. Il va invoquer sa maman. Dans ses jupons. Allez hop. Bah, par contre, il fait danger, je sais pas quoi. Il a invoqué la foudre, non? Ah, il a invoqué la foudre, ok. En plein soleil, il a invoqué. En plein soleil! C'est à 50% de chance de toucher, donc. Bien joué. Oh là 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 là. Ah. Alors, je prends juste tout ça. Un lac, ça fait longtemps que je n'avais plus vu. Je ne connais pas les sentiments. Mais c'est vrai que les boss, bon, ils changent pas des masses, mais ils essaient quand même de faire en sorte qu'ils soient différents entre chaque. Chaque semi-donjon, enfin chaque partie. Ouais. Ouais, c'est chaque fois à la fin on retrouve pas le même, au moins c'est un petit peu différent même s'il a que la coupe qui change. Mm. Attends, on est précis, hein, on fait quasiment la même chose. Ouais. C'est abusé, on se souvient. À part les combos, tu te fais plaisir toi au combo, mais c'est ouf. Ouais. Onenic, il est niveau 29. Je pense que t'as une touche, ouais, il est niveau 29. 29, donc c'est pour ça qu'il fait plus de dégâts. Ouais, c'est vrai. Mm. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça fait déjà 20 minutes. Est-ce qu'on... Dans le désert, c'est bizarre. Est-ce qu'on songerait à arrêter et on... Bah, ce qu'on peut faire, ouais, on peut se laisser là, parce qu'il fait chaud là, il faut qu'on se mette une crème solaire. Vous allez boire. Donc vous voyez ici, donc là je vous montre, donc ça c'est le... Eh, hey, oh, j'ai vu que c'est écrit Gallius, comme... en fait on s'écrit Galion. Ah ouais, c'est quoi? Comme donjon. C'est le dernier donjon, donc avant d'y arriver. Oh. Mais donc là on a fait le lac de Besma, on va... Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va refaire le chemin de dragon pour faire la quête. Ouais. Et après on regarde ce qui nous débloque comme autre passe, autre donjon. Et après on est de retour avec vous et on se refait des donjons, on se re XP tout ça, vous inquiétez pas, on est toujours là. Voilà. Pour faire des vidéos avec vous. Donc je pense que voilà, je pense qu'on a tout dit, ouais, pour aujourd'hui, c'est un peu court, mais ça, après d'un côté on veut pas que ce soit trop répétitif pour vous et voilà. Oui, exactement. Et puis en plus vous avez 3 épisodes par semaine, donc vous avez... C'est ça, donc vous avez vraiment ce qu'il faut au niveau de la quantité. Ouais. Parce qu'on peut montrer juste avant de partir, c'est les compétences qu'on peut partager d'ailleurs. Alors, on va un peu partager, je vais mettre un peu là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, de faire terminer. Tiens, les flammes diaboliques, qu'est-ce que c'est que ça? En attaquant, tu lui invoques 3 flammes démoniaques. Tu renforces les prochaines attaques. Il y a bien ça. D'accord. Tu te rends invisible. Mais ça, j'aime pas. Mais ça, finalement, j'aime pas trop. Emblème des ténèbres. C'est quoi? Obsession des peines par touche. Ah, mais ça peut être hyper pratique en fait. Parce que quand je tape, du coup, je récupère plus. Et ça, ça fait quoi? Explosion d'aura. Ouais. C'est plutôt sympa, mais bon, 1270%, mon gars. C'est clair que tu fais pas. Voilà quoi. 1270%. Et tes dégâts, ça je l'ai. Ok, on va rester comme ça pour ma part. Ouais, c'est bien quand même. Voir les combos. Ah oui, j'avais pas vu. Putain, je sais pas si t'as vu. Quand tu fais compétence en haut à droite, il y a marqué voir les combos. Et là, tu peux voir en fait. Ouais, tu vois, voilà, c'est WWW. Bon, ça c'est le truc normal. W en fait, c'est quoi? C'est les touches où tu tapes en fait. WX. Ouais, c'est X. Ah, vous pourrez faire WWW. En vrai, faut faire X maintenir. Enfin, moi j'ai des trucs peut-être différents, mais. Ouais. Tu vois, ça fait des trucs, ça fait différentes choses. Bon, moi j'ai pas. Ah non, mais ça c'est le standard. Après, il y a sprinter, ça on s'en fout. Il y a les spéciales aussi. Ah ouais, sauter. Tu vois, il y a plein de choses. Hein. Ah, sprinter, boom et W. Ok. C'est quand même un petit peu des. Oh là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Attends, à mon avis, c'est un peu. Un peu un mastodon, hein, faut pas attention. Ouais. Après, on avait une fois un truc comme ça. Oui, on avait pas les bases. Bon allez. Est-ce qu'on va faire ce qu'on va se laisser? C'est mieux parce que sinon là on a peur, Ça c'est le petit monstre qui te dit dégage, vas-y dégage, c'est mieux pour toi. Allez, on vous dit à la prochaine, n'hésitez pas comme d'habitude, les liens pour les concours et tout ça, c'est dans les charges, ça bouge pas. Voilà.
Ça bouge pas. Aïe, le scorpion, t'arrête. Allez, à la prochaine, mangez tes pizzas, on vous aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao.